ça. On va faire 3, 2, 1. Top. Hey, hello, Exiles. Ici Zel, en compagnie de la chère et magnifique Elona, la petite witch... la petite putain de renard des marques. Je t'emmerde. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pass of Exile, acte 4. Premier, les deux boss présents à côté de Lady Diala. Je fais comme si je savais les choses, sauf que c'est la première fois que je mets les vies, donc je ne sais pas du tout est-ce qu'on va, ce qu'on fait, à quelle heure, comment. Donc je te laisse la parole, très cher, pour vous expliquer oui, ce qu'on va faire dans cet épisode. Je pensais, je te voyais, t'étais chaud et tout, c'était beau. Donc, chers amis, aujourd'hui on va aller combattre le sempiternel gladiateur, le putain de gladiateur d'Aresso. En fait, en gros, on va rentrer dans son rêve et on va lui péter sa face parce que nous, on est comme ça, nous, on déconne pas. Allez, let's go. Dans les rêves, tout ça, direct. Et en fait, en gros, à la droite, il y a Daresso, à la gauche, il y a Kaom, et chacun des deux doit nous donner un item pour mettre en marche l'espèce de suppositoire que t'as vu devant. D'accord. Qui nous permettra de rentrer dans la bête. Voilà. Donc bienvenue dans l'arène. I am Daresso. Ah, t'as mis le son du jeu, t'as mis les voix. Oui, oui, j'ai mis le son du jeu. Tu as mis les voix. Bon, par contre, quand on va arriver ici, la grille va se fermer, donc rentre bien. Voilà, et c'est parti, mon gars! Baston! Ah oui, d'accord. Et ça vient par vague. On enchaîne les arènes ou... Ouais, c'est ça, au fait. Ici, c'est vraiment le principe. On va enchaîner les arènes et les mobs. Jusqu'au boss. Donc ici, on est dans les arènes de mer, forcément. Oui. En fait, en gros, donc c'est le rêve de Daresso, c'est tout son accès à la gloire. Donc au départ, il a commencé dans des arènes de merde, hein, on peut dire ça comme ça, vu le terrain. À combattre des espèces de créatures pour au final se hisser dans les plus grandes arènes que le monde n'ait jamais connues. Et en gros, ouais, non, je dis rien parce que j'en sais rien en fait, je vais pas te poser des questions, on va voir en temps voulu. Oui, si tu veux, hein. Non, parce que j'allais te demander si ça changeait en termes de design. D'ailleurs, je suis à l'extérieur. Rentre dedans, clique sur la porte. Ouais, mais non, j'ai envie de te laisser galérer moi. Putain, récupérer l'XP sans rien faire. On les veut, hein. Oh, salaud. Ah, le salaud. Ah, la salaud. Supérieur cet extract, ça par contre je vais l'outre. Hop là, ni vu ni bossu. J'aime bien le concept ici. Bah ouais, écoute, on enchaîne des arènes, on fout des mobs. Mais moi je sais pas, ça me faisait penser un peu à Fable, tu sais. Moi ça m'a fait penser. Hop hop, allez voir notre let's play et tout. Hop hop hop. Oh putain, transition. J'ai pas transition fini, hein. Pub. Transition. Moi je vous le dis, si on a un commentaire et le jeu sur la dernière vidéo, on continue le let's play. Oh, J'annonce. S'il y a un seul mec qui veut dire ok, votre truc c'est cool, continuez, ça me fait plaisir. Mais mot pour mot, hein. Le mec qui dit ok, votre truc c'est cool, ça fait plaisir, boum, on y va. Mais si c'est pas, si il dit genre ouais, c'est génial et tout, je vous adore, ça compte pas. Ça compte non, pas. Ça compte pas, exactement. Mot pour mot et avec les fautes d'orthographe qui vont avec. Hein. Exactement. Parce qu'il faut imaginer les fautes d'orthographe que Gecko ferait. Je ne fais aucune faute d'orthographe jamais. Je suis un dieu. Et ouais, donc ici, deux mini-boss. Oh, un mini-boss corrupt. Calmez lui. Ok, non, ah, flashons. Courons. Ouais, t'es sous puncture, fais gaffe quand même. Ouais, mais attends, faut arrêter de courir, c'est ça? Ouais, ouais, quand t'es sous puncture, j'avoue, même à moi, il me fait mal. Donc je dash, j'arrête de courir et j'utilise ma potion. Ouais, voilà. Oh, supérieur reflex bow. Ah, ça, c'est des nouveaux items, regarde. Hooksword et reflex bow. Ce sont des items Marrakech. Marrakech. De Marrakech. Aussi. Ouais, c'est des nouveaux styles et ils ont des nouveaux passifs, entre guillemets. Donc assez bien foutu. Tiens, je sais pas ce que ça représente, mais. Je vais avoir John Trade Channel 12. Non, c'est pas ça, je me sens bien. Tu veux faire quoi? Non, je m'agourais. Tu t'as gouré? Ah ouais, Demon Blast. Ah, stylé. Bon, après, les dégâts sont pas terribles, mais il est stylé. Tu vois, celui-là par exemple, il te donne de la movement speed quand tu l'équipes. Ce que tu n'avais sur aucun. Ah, d'accord. Bon, je vais dire ça racut, mais. Bah, ça dépend. Si tu veux être rapide, ça peut servir, hein. Après, ah, si tu le veux pas. Si. Eh, vraiment penser à la faune et la flore, hein. Bienvenue. Quoi? Bienvenue dans la faune et la flore de Rayclast. Chers Exiles, aujourd'hui nous allons voir des espèces de bulldogs armés de machettes et des putains de... Comment ça s'appelle encore ce truc? Non, tu sais, les Américains, ils mangent ça à Thanksgiving. C'est pas des dindes, c'est des... Des turkeys. Ouais, mais c'est quoi le... C'est pas, c'est dégueulasse, quoi. Des grosses poulardes.
Et voilà. Aujourd'hui, nous allons voir des poulardes. Les poulardes et Ah, tiens, cliquant sur enculé. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Le mec qui m'a suivi. Bon, du coup, normalement, on devrait arriver est-ce au premier que... Attends, je vais te demander, est-ce qu'on peut faire un build comme ça? Ou quand tu touches avec ton arc, ça summon des squelettes, tu vois? Ah oui, justement. Moi, je veux un build comme ça. Tu en as entendu parler, ou c'est juste complètement random, ce que tu dis ou pas? Bah non, je dis ça vis-à-vis de ce sort, de ce sort de, qu'on a là, que j'ai là, tu vois. Non, mais parce qu'en fait, réellement, ils ont sorti un arc unique qui te permet, à chaque fois que tu tues une cible, de créer un squelette à la place. Moi, je veux. C'est pour ça que je te demandais si t'en avais entendu parler, parce que... Non, non, non. Du coup, c'est exactement ça. Ah bah, vas-y, mon gars, je te laisse faire, c'est un mini-boss. Il fait très mal au cac. D'accord. Bon, ça va. La stratégie est pas compliquée, hein. Il met des gros coups, il met des grosses starts et t'esquives les grosses starts. Je flash. Par contre, il me fait mal aussi. Pourquoi il me fait mal? Je suis pacifiste! Fils de pute! Pardon, merde. Stop les insultes. Les insultes, c'est mal. Les insultes, c'est mal. Ça marche. La drogue, c'est mal. Oh merde, tu l'as vu au portail? Non, c'est faux. Oh, ils ont fait une boulette sur la RTBF, mon gars. Enfin bref, je te montre. Je l'ai peut-être déjà vu. Inadequate performance challenger. Je dirais que je ferais un petit bac en ville vite fait pour vider ma sac. Ouais, non, 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 tu quoi, tant pis. On va jusqu'au boss. Mais des hommes. T'as bien mis les voix, on écoute bien les réseaux là. Oui, oui. Sauf quand t'en parles au-dessus, donc. C'est bien ça. Très bien. Ok, avançons. Ouh. On clique. Attends, 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 attends. J'ai un pote dans la mode. Appli. J'ai cliqué. Carré. Ouais, ouais, je t'en prie. Et tout de big arena. Mais non, ce grand arena, parce que pour une fois, c'est écrit en français. Pas du tout. Aucun rapport. Ça a peu rien à voir, mais bon. Ouh. Vous savez quoi, déjà, je prends mon pet. Et on va avancer tout tranquillement. Chut. Fais juste gaffe aux statues. Parce que contrairement aux statues de l'acte 3, celles-ci elles font mal. Il y a d'utiliser des spells genre puncture. C'est bon? Mais en fait, je t'explique deux secondes. Ouais. Quand on a commencé, je me dis, ok, c'est cool. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que l'apparence des arènes change au fur et à mesure jusqu'à la dernière arène. Exactement. Et j'ai eu ma réponse, et franchement là, je sais pas ce qu'il y aura derrière ce clic. Bah, mais, t'es prêt? Ça va envoyer du lourd. 3, 2, 1, bienvenue dans Gladiator, mon gars. Oh, sa mère! Ah putain, on est dans le Colisée, les gars. Attends, je vais aller voir sur le bord. Oh putain, terrible. Dès-le, mais si, fais gaffe aux chiens, ouais, ouais. Oh, t'inquiète, t'inquiète, déjà. T'as vu d'où ils sortent? Ouais, j'ai vu, ouais. Mais c'est les chiens d'acteurs, donc ça va. Ouais, mais t'as vu, ils sortent des grilles et tout, comme un vrai colisée. Ouais, comme un vrai colisée, ouais. C'est bon truc, c'est bon truc. Par contre, je te proposerai un truc si on en retrouve un, t'en viens de mon côté. Non, ça, on s'en fout, c'est des gros. Je devrais juste essayer d'esquiver les choses, d'abord. Si tu vois les gladiateurs. Ah, bah oui, par exemple, j'en vois un ici. Moi j'ai vu un gros centaure comme ça, bizarre. Ouais, les mobs sont bien foutus. Hein. J'en viens voir ici le gladiateur, mon gars. Avant qu'il meure. Brutus. Zoom sur lui. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est un vrai gladiateur, genre. T'as vu en fait le mec, il lance des couteaux qu'il a dans le ventre. Non. Tu vois, les couteaux qu'il a dans le ventre, il les sort et il te les lance à la tête. Les gens qui ont fait ce jeu sont bizarres. Ouais, par contre, on a pris la mauvaise arène, faut faire demi-tour. Ah oui? Ah ouais, ouais, en gros, il y a des différents chemins, ouais, voilà. Je m'excuse, je prends les armes. Franchement, ouais, impressionnant. Hein. Ouais, ouais, et tu verras la dernière. Mais mon gars, tu vas voir le boss. Et là, si tu commences à toucher au vrai boss de l'acte 4, et là, tu vas te dire, ah ouais, là, ils sont pas chier dans la colle. Là, ils ont fait du goût, tu vois. Ouais, non, mais. En plus, la musique épique et tout, franchement, ça claque, quoi. Ah, vas-y, trace. Ah non, il y en a deux. Il y a deux rangées de meufs. Ouais, ça va, c'est bien, tu vois. C'est parti, mon gars! J'arrive. Oh putain, sa mère, c'est juste là! Ah ouais, ils sont partout! Hein. Bon, les centaures font plutôt mal, hein! Ouais, ouais, et leur charge, ils vont leur esquiver. Après, les gladiateurs tout petits, ils sont tous. Die a death. Worth. Applause, gladiator. Trop classe! Je suis Maximus Decimus Meridius. Non, 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 Maximus Decimus Meridius.
Père d'un fils assassiné, mari d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance. Comment ? C'est commandant de... des armées du Nord, comme ça. Commandant des armées du Nord. La classe, quand même, la classe. Si vous n'avez jamais vu ce film, les gars, on t'avoue. Allez le regarder parce que mouah, c'est une perle. Hein. On t'avoue, ouais, déjà. Mmh. Et regarde juste au-dessus, il y a une meuf qui jette des fleurs, des pétales. Tu la vois ? Elle est où ? Ici, où je suis ? Ah, tu les vois plus. Bon, tant pis. En fait, tu regarderas à chaque fois au-dessus des portes, il y a une femme qui lance des fleurs. Ah, d'accord. Et au fait, cette femme en question, c'est l'amour de Daresso. Et l'amour de Daresso, si je te dis le nom, tu vas comprendre qui c'est. Si je te dis Merveille, ça te dit quelque chose ? Non. Ouais. Et, regarde la plaque et écoute ce qu'il dit. Non, tu peux bouger. Pourquoi n'avoir pas écrit ? Si vous voulez lire comme ça directement. Putain, trop cool. Ouais. Par ici. J'arrive. En vrai, quand ils sortaient les trois premiers actes, ils savaient ce qu'ils allaient déjà faire de la suite, non ? Et bah, en fait, en gros, en tête, ils ont déjà assez pour 10 actes. Et au fait, ce qu'ils voudraient à la fin, c'est qu'il n'y ait plus de difficultés différentes, mais juste 10 actes qui progressent en difficulté. Oh, c'est stylé. Ça serait génial, mon gars. Franchement, je kifferais méchant. Ce serait chaud. Et l'histoire qui finisse vraiment par un point, tu sais. Genre, il n'y a pas de suite, quoi. C'est fini. Ah, parce que là, c'est pas fini, je suppose, à la fin encore. Oui, voilà. Enfin, pour l'instant, en gros, ils sont pas finis complètement l'acte 4. Ils voudraient mettre un petit truc de finisher. Mais dans l'état actuel des choses, tout est là, au fait. Il manque juste un petit truc à la fin. Je vous expliquerai quand on y sera, mais rien de bien. Qui ferait une grande différence. Mais je suis impressionné par l'histoire en fait. Vous commencez quand même, vous êtes exilé sur une île dégueulasse quoi. Enfin, ouais, là j'ai l'impression que l'île. J'ai l'impression quoi. Que l'île se transforme en continent, tu sais. Ouais, c'est ça en fait. Là maintenant, les montagnes de la chose quoi. Et tu sais pas où t'es, enfin tu sais pas pourquoi. Et au final, toi, enfin ce que j'aime bien dans ce jeu en vrai, c'est que ton personnage il n'est rien, même à son pic de puissance. Enfin, au moment où on arrive à la fin de l'acte 4, tu restes rien. T'as accompli des choses géniales. Ah ben regarde ici, il y a la porte. Non, mais y a pas... C'est toi-même, tu regardais juste au-dessus de la porte. Tu la vois maintenant ? Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que personne te dira jamais merci dans le jeu. Non, en effet, ils sont plus plutôt à te cracher au visage. Voilà, c'est ça, même quand t'as fini, t'as tué le monde entier, bah écoute, t'as tué notre dieu, d'accord, enfin, c'est gentil quoi. Enfin voilà, tu vois, tu sais. Ah, une autre plaque. Je vais la mettre à lire vite fait, on va la dessiner comme ça. Good flies, that's why I knew that she saw me too. Oh là là, trop cool! Ah, le mec il était à fond in love et putain, son amour lui aura coûté la vie. Quoi. Changer. Parce que Merveille, on a bien vu en l'acte 1 qu'est-ce qui lui est arrivé. Hein. La fille, au fait, a été. On lui a mis une malédiction sur sa face et toutes les nuits elle se transformait en la deuxième fois. Ah, fais gaffe, des gros boss ici! Ouais, j'ai oublié! Comme dans Shrek. Désolé, chef! Ouais, comme dans Shrek, c'est du bon, je te laisse t'amuser un peu avec les boss. Non, moi je traîne de buter tous les loups du monde là. En fait, je mourrais peut-être. En fait, je fais pop tous les loups, tu sais. Parce que je tourne en rond, du coup je tombe. Oh, chier quoi, sa merde. T'es où ? Je t'aide ! Mais je suis à. Il y a un million de loups derrière moi quoi. C'est quoi, on va courir. On va tout faire pop, on sera mieux. Hein. Massacre de loups! Que quelqu'un appelle la SPA! Pire. Et y'a un G-Well au sol. T'as tué le boss ou pas? Ouais, je les ai tués. Ouais, je les ai même pas vus, tu sais. Y'a un Cobalt G-Well ici. Donc en fait, en gros, y'a trois boss. Y'a un Summoner qui claque aussi Flame Blast. Y'a un Archer qui lance des traps. Et y'a un CAC qui fait des coups de CAC. Ramasse les jaunes, moi j'ai pas le temps. J'ai pas la place. Allez, passage. C'est la fin là? On y arrive. On va arriver à Daresso, mon gars. Et Daresso, je pense que je vais même te laisser le faire solo. Enfin, je vais rentrer, te regarder, t'expliquer la strat. Et je vais te regarder galérer. T'es franchement, méchant. Il fait super mal. Je t'aiderai si je vois que tu galères. T'es vraiment. Méchant. Regarde-moi ça, c'est joli. Oh. La zone est superbe, quoi. Putain, il est long celui-là. Non, je pensais que c'était un monstre, oui. Ok, on y est. La reine des lames. Attends, je bois un coup. On voulait pas, si vous entendez du bruit.
Pardon, si on pouvait plus. Ça rapidement. En gros, tu vas combattre contre Daresso. Daresso, c'est une espèce de gros dueliste, mon gars. Attends, on bouge pas avant quand t'es rentré. Bon, bah tant pis. En tout cas, il, attends, il fait son blabla. Ouais, il a, voilà, et c'est parti, mon gars. On dirait que c'est de la mer. Oh, il se déplace extrêmement rapidement. Il crée des petits nuages d'épée que tu vois autour. Vous esquivez les nuages d'épée. Quand il fait ça, en gros, il va se démultiplier et t'attaquer au centre. Il faut que tu bouges de là. Il a aussi trois grandes attaques rapidos. Il a plusieurs dashs. En gros, il faut énormément de qualité. Quand il commence son enchaînement, bouge directement latéralement. Faut pas que tu restes droit devant lui. Ça, oui, c'est un peu, on dirait un Freezing Pulse, mais amélioré. C'est ça. Et les nuages d'épée aussi. Il reste vraiment pas à côté de ses salopes. Ouais, j'ai vu ça. Ça va, il bouge pas, donc ça c'est cool. Ouais, par contre, tu peux mettre DPS, voilà. Mais sinon, et quand tu vois, si à un moment il se met à genoux et qu'il commence à avoir une aura rouge, arrête de le DPS, tout le dégât que tu vas lui mettre pendant cette phase-là, il va sustain. D'accord. En vrai, il va se heal, hein. C'est... Exactement, oui, voilà. Donc il est bien fucking stylé. Cette attaque, je la trouve superbe. Il y a pas, comment dire... Au lieu d'aider un peu à le DPS. Ouais, non, mais au niveau DPS, je suis nulle part. Il y a pas de mob qui proc pendant le combat pour régénérer les potions. Non, non. Ah, merde, hop. Attends. Là, tu vois, c'est où il va regain, donc là, je lui mets des dégâts, il regain. D'accord. Donc, on va DPS à fond. Oh, putain! Bah, allez quoi, mais c'est ça, bah, tu vois les dégâts qu'il fait, pourtant, je suis level 45, hein, mon gars. Ouais, c'est plutôt mal. Hein. La phase, mec, la phase! Oh merde, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. Merveille. Bon, hyper concentration. Bon, ça va, tu mets cher quand même. Ouais, ouais, je mets super la misère. Je te laisse le finir. Et la phase! Ouais, j'ai oublié, tant pis. Ça va, ça se gère quand même. Ah, d'accord, en gros, ça. La taille de son sort augmente au fur et à mesure. Exactement. Ok, ok, intéressant. Go, mon golem, va l'aider! Ouais, j'ai pas trop de DPS, hein. Par contre, j'ai plus trop de vie. Oh, on va le finir alors. Aïe, 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 stop. Putain, oh, le cochon. Oh, bah t'as un level up d'armure là au sol. Attends, je respire. Attends, ça a l'air quoi. Bad, hein. Franchement, sympa, ouais. Et c'est juste un des premiers boss, hein. C'est un des premiers des gros. Très très sympa. Du coup, putain, mon gars, un unique, ça c'est bon ça. Ouais, toujours. Alors, 90% increase evasion rating, 46% fire resist. Je peux pas être ignite, c'est très bien ça. Mais surtout pour la prochaine zone. 10% increase physical damage, puis range weapon. Ah, c'est bien ça. Ah putain, moins 7 de physical damage taken from une attaque. Donc ça va, c'est parfait. Oh, c'est rentable. Franchement, j'aime bien en plus les 10% de dégâts en tu plus. Tu l'as vu du coup pas? Putain, il est assez stylé. Enfin, je veux dire, c'est. Mais oui, j'adore aussi. Enfin, ce que je veux dire, les gars. Tu la trouves superbe. Parce que les gars, étant donné le fait que ce jeu propose des armures moches de base, celle-ci qui m'a foi, les belles sont payantes. Pour être bien mieux, je la trouve belle. Bah, hors vidéo, je vais te montrer un truc après. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit boss? Tout seul, ça. Enfin, je sais pas, à deux, je pense que j'aurais pas vu le tuer, je sais pas assez de DPS pour tuer sa vie, parce que je pense que j'ai l'impression qu'elle a doublé par rapport à normal, j'en sais rien. J'ai hâte de le try une fois tout seul pour voir si je suis capable de le buter parce que là, heureusement que t'es là quoi. Ouais, ouais, mais pas quoi, mal hein, sinon. Franchement, ouais, sympa. Et tu vois, mécaniquement, il est pas mal aussi. Il te demande de bien esquiver, de pas rester statique. Ça m'a impressionné au fait, c'est. Je m'attendais. Enfin, tu m'as dit à un moment, bouge latéralement. Quand tu bouges latéralement, mais non, faut pas bouger latéralement, faut se barrer à l'autre bout du monde quoi. Bah, en fait, si tu bouges latéralement, en fait, tu remarqueras que ses attaques sont en cône. Donc, si tu te tiens loin de lui, si tu bouges latéralement, ouais, mais regarde, c'est un peu comme mon spell. Regarde, là de loin, ça tire vers le centre. Eh, bah, c'est pour ça que tu te déplaces latéralement, t'es tranquille quoi. Et plus, s'écarte, c'est un moment, enfin. Le mec il te bute, mais il prend la moitié de la salle avec un spell quoi. Enfin. Un peu comme ça quoi. C'était Daresso, chers amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, on va arrêter la vidéo ici, et pour la prochaine vidéo, c'est comme le guerrier. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, on espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Des commentaires juste pour discuter, ça nous fera toujours plaisir de vous répondre, dans la mesure du possible, bien entendu. Et donc, on vous dit à très bientôt. Et ciao, ciao, et à la prochaine, ciao, ciao. Les gars.